Alors, sur la valise, j'ai mis une œuvre d'une jeune artiste qui s'appelle Sarah Bader-Schmidt, qui a réalisé une série de photographies du ciel dans différents endroits de la planète, où elle inscrit un mot qui est en général en relation avec la géographie qui est sous le ciel. Et cette photo et la première série s'appelle Borderless, c'est-à-dire sans frontières en français, ou sans limites. Pour moi, le monde serait meilleur s'il y avait moins de frontières, pas seulement géographiques, mais sans annuler les différentes cultures, parce que c'est impossible, s'il y avait moins de frontières entre les hommes, géographiquement, culturellement, religieusement, politiquement. En fait, je pense que la plupart des conflits de l'humanité proviennent des frontières que se créent les hommes, qui sont inhérentes à l'espèce humaine, j'imagine. Et que si on pouvait alléger un peu ces barrières et ces frontières, le monde irait mieux, il y aurait moins de guerres.